bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis, mais de vos colis. Donc en fait j'ai reçu cette petite chose là. Donc non, ce n'est pas un colis qui vient du Disney Store, c'est juste une réutilisation de carton. C'est un colis que m'a envoyé Anna de la chaîne Hippos and Smiles. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et en fait, elle m'avait envoyé un message en fin d'année. Elle m'avait dit oui, j'ai fait beaucoup de tri dans mes affaires et j'ai retrouvé des choses qui me faisaient penser à toi et à Juliette principalement. Et j'aurais voulu savoir si je pouvais te les envoyer. J'ai dit oui et tout, ça sera avec grand plaisir et tout ça. Et à la base, elle devait me l'envoyer à Noël, mais il y a eu... elle a eu beaucoup de choses à faire, comme je pense un grand nombre d'entre nous. Et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, il est là. Donc Anna, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc comme je disais, elle a la chaîne Hippos and Smiles. C'est une jeune demoiselle qui a une super joie de vivre, un peps et tout. J'ai découverte parce qu'elle m'a découverte avant. Donc c'est-à-dire qu'elle a commencé à suivre mes retours de course. Et puis j'ai commencé à aller voir sa chaîne, j'ai commencé à regarder les vidéos. Et maintenant j'en rate pas une seule. Voilà. Donc du coup, un grand merci à toi. J'ai pas encore ouvert, j'ai ouvert le colis, j'ai vu les paquets, j'ai fait... Je vais tourner ça en vidéo, je pense. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble. Là, on y va. Donc il y a une petite lettre dedans que j'ai déjà ouverte, que j'ai déjà fait ma curieuse et que j'ai déjà lue. Donc c'est un petit mot très gentil de sa part. Dans l'enveloppe, elle avait mis des petites cartes Tsum Tsum. Donc ça va faire plaisir à Juliette. Donc du coup, en gros, elle m'a mis qu'elle avait mis des objets de l'univers de Disney dont la plupart sont des doubles ou des produits qu'elle n'appréciait plus forcément, qui n'étaient plus à son goût. Et du coup, elle a souhaité nous les offrir et je trouve ça très très gentil de sa part et tout. Regardez cette jolie petite carte qu'elle m'a offert. Donc du coup, on est parti. Donc il n'y a pas de... Comment ? De numéros sur les boîtes, mais elle a mis des petits indices. Donc du coup voilà, donc il y a marqué je sais que les Harry Potter te plaisent, j'espère que tu aimeras celui-ci. Donc c'est une petite boîte. Ça me fait penser à la taille des boîtes des Mystery Minis. Ce que je disais. Donc c'est une boîte qu'elle a refermée en fait dedans. Donc c'est les Mystery Minis Princesse et Compagnon. Alors j'en regarde régulièrement les ouvertures sur internet de ce genre de figurines, mais c'est vrai que j'en achète pas, j'ai acheté que les Harry Potter. Ah, vous les voyez même pas, ils sont stockés ici, mais c'est parce qu'il y avait une énorme promotion Intermarché, parce qu'autrement ne les achète pas parce qu'elles sont quand même très chères. Donc du coup dedans il y en a plusieurs. Je m'attendais pas, il y en a deux. Oh, j'en connais une qui va être heureuse parce que je pense que je vais les donner à Juliette. Elle m'a offert Belle, ceci, et il y a aussi Elsa, donc je vais les donner à Juliette, je pense que ça lui fera vraiment très plaisir. Merci beaucoup, elles sont très très jolies, j'adore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre derrière moi parce que vous avez pas vu, parce que j'ai coupé au montage, mais j'ai tapé dans l'étagère qui est là-haut, j'ai fait tomber la moitié des figurines, j'ai trouvé le moyen d'en péter une. Donc du coup voilà, alors c'est plutôt pour plaire à Juliette. Donc si tout mou, je dirais que ça ressemble à du Tsum Tsum peut-être. C'est possible. Ouais. Oh. Ah oui, tu vas lui faire plaisir. Ça, tu vas lui faire plaisir. C'est deux Tsum Tsum de la collection Vaiana. Et chantez les petits trucs en dessous. En fait, c'est les étiquettes. Donc il y a Vaiana, voilà, comme ceci, elle est trop belle. Et il y a Maui, donc ça oui, tu vas faire une méga heureuse parce que Juliette elle adore Vaiana. Et franchement merci beaucoup, c'est très gentil, ça y est je vais commencer à chauffer des joues, à devenir toute rouge, très émue. Voilà, mais un grand merci à toi parce qu'ils sont vraiment très très beaux, regardez. Donc voilà, vous avez les détails dessus et tout, ah, ils sont canons de chez canon. J'adore. Ah non, je vais pas les mettre là. Hop. Alors ensuite ce que je fais, c'est que j'y vais carrément à l'aveugle et tout. Alors il y a des jolis paquets bulles comme ça et tout, j'adore. Donc là il y a marqué pardon pour ce dessin approximatif. Il n'est pas si approximatif que ça. Oh, c'est un joli petit poisson. Bon, comment que ça s'ouvre? Il y a, je vois des, c'est du Tsum Tsum encore là dedans, ça a l'air d'être tout mou. J'ai reconnu du poisson de chez Dory, je crois. On dirait. Alors après, j'ai juste un peu peur des fois, c'est qu'on risque de tomber sur du doublon parce qu'on en a quelques-uns à la maison. Mais oh non, ils sont trop. Alors on a le petit hippocampe. Alors celui-ci, on l'a à la maison. Celui-ci, ça sent bon. Ça sent la vanille.
La fille qui sniffe les paquets. Donc on a le petit hippocampe, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Celui-ci on l'a, mais par contre tous les autres que je vois à l'intérieur du paquet on ne les a pas. Donc dedans on en a parlé à table. J'adore sa tête, il est trop marrant. Je vais essayer de vous les montrer quand même de devant. On a Bélé, donc le fameux beluga avec sa bosse. On a la petite tortue, ça je sais pas si on l'a ou pas, je ne sais plus. Donc Crush, on a le papa de Crush. Voilà, il est canon. Et ensuite on a un des poissons, je ne sais plus comment il s'appelle, il est dans l'aquarium je crois. Et on a le requin, oh il a une tête le requin, il est génial. Oh, ils sont super, mais franchement mais merci beaucoup, enfin, c'est un truc de fou. Ils ont encore les petites étiquettes au bout quoi, c'est un truc de malade. Elle va être heureuse comme tout, c'est un truc de fou. Et ouais, j'ai pas de mots, ça y est ça commence. J'ai pas de mots, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors oui j'ai vu ça dans le colis, c'est peut-être... Ah c'est pas ça qui sent bon, qui parfume partout. Ça a l'air de casser puisqu'elle a enveloppé ça dans du papier bulle. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Une petite nouvelle, j'espère que tu aimeras. En tout cas ça sent super bon. Je pense à une bougie vu l'odeur. Ou alors ou une boule de bain ou un truc comme ça. Mais je pense plus à une bougie. Ouais, c'est waouh, c'est carrément une mini jarre de Yankee Candle aux perles d'automne. Mais elle sent juste divinement bon. Oh la vache! Donc voilà, donc c'est celle-ci de la marque Yankee Candle. Donc c'est une mini jarre. Et elles sont super bon. Donc elle est comme ceci à l'intérieur. Elle est violette. Elle est vraiment belle. Et alors... c'est une tuerie. C'est une tuerie. Merci. C'est trop gentil. Faut arrêter, faut pas me faire des trucs comme ça. C'est un truc de fou. Ensuite, encore un autre tout mou comme ça. Ce sont des classiques, donc je pense qu'on est encore parti sur des Tsum Tsum, je pense. T'as été généreux sur le scotch. Ouais, c'est des... Ouais, les classiques, j'y ai pensé. C'est plein de Tsum Tsum. Ça a l'air d'être toute une collection parce qu'ils sont tous habillés pareil. Mais ils sont trop beaux. Je vais tous les sortir, je vais tout vous montrer. Alors, on a déjà... Je vais essayer de vous faire les binômes. Alors déjà on a Donald et Daisy qui a décidé de se faire la malle. Donc du coup voilà, donc en fait ils sont habillés en tenue un petit peu de pom-pom girl, je sais pas, un truc comme ça. Donc bref, il y a ceux-là. Après il y a Dingo et Pluto, pareil avec la même tenue. Ils ont un petit M sur le côté. Est-ce que c'est pour l'anniversaire de Mickey? Non, je pense pas. Ils viennent d'où eux? Ils viennent de France ou c'est des Tsum Tsum japonais ou je sais pas. Je les ai jamais vus, c'est un truc de fou. Je les ai vraiment jamais vus. Et oh, c'est trop chou. Donc automatiquement, il manquait le dernier binôme. Hein. Donc Mickey et Minnie, si l'appareil veut bien faire la mise au point, voilà. Minnie, elle me fait fondre d'amour tellement qu'elle est belle, elle est trop jolie. Merci beaucoup pour cette collection, franchement je... Voilà, je les connaissais même pas, tu vois. Alors, je vais les poser tous ensemble. Et en fait, t'as refait la collection de Tsum Tsum. J'en avais jamais eu autant de ma vie, je crois. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous voyez, je suis en train de faire des pyramides derrière. Bref, donc bon. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a un grand truc. J'aime bien le papier cadeau aussi, il est très joli. J'espère que tu auras de la chance. J'espère que tu auras de la chance. Ça dépend de... C'est quoi? Mais non, c'est des boosters de Tsum Tsum. Mais ils sont ouverts. Ils sont pas ouverts. Je croyais que c'était de la récup que tu m'envoyais. Je sais pas, des trucs neufs. Bon alors attends, je vais tous les sortir. Donc en fait c'est des boosters comme ça. Bah, je vous les montre pas dans le bon sens. C'est des boosters mystères de Tsum Tsum. Ça je les ai vus en ouverture sur des chaînes. Sur la chaîne de Petit Quick. Je sais pas si vous connaissez. Ou c'est possible que c'est Miss Jirachi aussi qui en a ouvert. Et donc dedans vous pouvez avoir 4 Tsum Tsum différents. Donc vous pouvez avoir Donald, Mickey, Minnie et Dumbo. Donc du coup, bah, je sais pas, est-ce que je fais une ouverture spéciale dessus? Non, je vais les ouvrir là parce que c'est vrai que moi j'ai pas une chaîne où je fais des ouvertures. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble comme ça. Bah, comme ça, tu verras si jamais j'ai de la chance. Mais t'aurais pas dû, c'est trop... Ah oui, ils sont vraiment bien emballés. Donc du coup, on va faire péter le sachet. Et alors dedans on a, je vais la faire
youtubeurs qui ouvrent. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Il y a des fesses. Ah, ça sent. C'est ça qui sentait dans le colis. Ça sent la bouffe. Oh. On a eu Donald. On dirait un œuf de Pâques. Non, c'est pas une collection de Pâques, ça, un truc comme ça. Mais oh la vache, ça sent. Ça sent... D'où est-ce que ça vient, ce truc? Bon, j'ai fait tout le tour de la boîte et il n'y a pas marqué à quoi c'est parfumé. Donc du coup, je ne saurais vous dire, mais ça sent bon. Allez, on continue à ouvrir les autres. Donc du coup, est-ce que je vais avoir le même ou pas? Ça, je... Celui-là, il est ouvert. Ah, comme ça, je sais. Oh, petite mini. Mais pourtant, il était fermé. Ah non, t'as remis du scotch dessus. Petite mini. Oh, elle est belle. C'est une mini. Ouais, on dirait des Tsum Tsum de Pâques. Elle est super jolie et elles sont aussi bonnes que l'autre. Oh, c'est génial, j'adore. Et dans le dernier, hop. Et celui-ci, est-ce qu'il est fermé? Ouais, ah, tu m'as laissé du suspense, c'est tout. Donc, alors, est-ce qu'on va avoir, on a mini Donald. Alors, soit Mickey, soit Dumbo, comme ça ferait pas de double. Donc, on va voir, je vais regarder dedans. Alors, je vais pas, je regarde pas, je touche. On dirait Dumbo. Ouah ! Il est trop beau. Oh, il est magnifique. Je ne veux pas les donner à Juliette, je vais les garder pour moi. Regardez. Non, mais le Dumbo, mais il est juste divin. Il est magnifique. Regardez ça. Oh là là, c'est trop chou. Merci. Oh là là, non mais sérieux. Et la miniature, je l'ai trouvée, hein. Je vais vous faire une miniature avec tous les Tsum Tsum. Voyez le bordel que j'ai à côté de moi. Ensuite, parce que c'est pas fini, vous avez pas vu l'intérieur du carton. Alors il y a ça. J'espère que tu aimes les sachets mystères. Donc ça, cette boîte, elle est magnifique. Déjà, je ne sais pas ce que c'est comme boîte. Voilà, déjà rien que la boîte est très jolie. Mais alors par contre, ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Est-ce que j'ai une paire de ciseaux là-dedans? Oui, c'est pratique de tourner à côté de son bureau d'activité parce que j'ai tout à portée de main. J'ai des ciseaux parce que là j'arrivais pas à ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Waouh. Alors il y a plein de, vous savez, de Tsum Tsum en sachet mystère. Alors je vais essayer de tout vous montrer parce qu'il y a tellement de choses. Donc en fait, c'était des sachets qu'on achetait. Il y en a qui sont vendus au Japon, d'autres qui sont vendus en France, d'autres aux États-Unis. Et en fait, du coup, bah, je pense qu'elle m'a donné ses doubles. Et waouh. Oh. Oh non mais arrête, tu me fais fondre. Non mais sérieux quoi. Oh là là. Vous savez ce que je vais faire pour vous ouvrir ça? Je vais vous passer sur la table comme ça, ça sera mieux pour vous parce que autrement vous allez pas bien voir. Je vais vous mettre au-dessus de mon bureau et je vous montre ça tout de suite. Donc du coup voilà, je vais vous reprendre comme ça, ça sera plus facile pour vous montrer. Donc déjà j'ai eu le chat d'Alice au pays des merveilles, donc déjà c'est énorme. Ensuite, je vais pas tout déballer parce qu'il y en a trop, mais j'ai eu le chapelier fou. Alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, avec son support et ses tasses. Donc du coup le voilà, donc en fait on pose ses tasses au-dessus de son dos. Enfin c'est le genre de truc que j'aurais jamais pensé avoir parce que... comment on peut le mettre dedans au pire, parce que c'est des choses que je commande pas. Donc dedans il y a donc il y a Daisy en lapin, il y a Pluto dans sa niche, il y a Joie, ouais c'est ça, vice versa, avec ses accessoires, ou c'est une fée? Non, je crois que c'est Joie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh là là, il y en a trop. Celui-là il est blindé, mais blindé, il va exploser tellement qu'il est plein. Dedans il y a quoi? Non. Oh, oh, il est magnifique. Celui-là je l'ouvre. Donc là vous avez, pour ceux qui connaissent La Belle au Bois Dormant, vous avez une des fées. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est Pâquerette. Et en fait elle va là-dedans, dans son gâteau. Ah, finesse, elle est trop belle. C'est un truc de fou. Non mais sérieusement, c'est génial. Oh là là, c'est un truc de malade. Ensuite il y a un boost qui a carrément pas été ouvert. Bon bah allez, allons-y, ouvrons-le. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, c'est Alice, c'est génial. Non mais oh là là, je suis au paradis. Cette vidéo va être interminable, hein, je vous le dis clairement. Donc c'est Alice avec tout un truc d'accessoires. Oh Dory, oh Nénette, elle va être trop contente. J'essaye de l'ouvrir quand même. En fait je vais vous les ouvrir tous pour vous les montrer parce qu'ils sont trop beaux.
Donc du coup voilà, en fait on a Dory en mini Tsum Tsum et elle rentre dans sa maison. Non mais waouh, elle est trop belle, regardez ça. Elle est trop canon, j'adore. Oh là là. Et du coup, hop, je vais vous ouvrir les deux autres. Donc du coup, voilà le Alice. Donc c'est la petite bouteille. Donc vous pouvez lui poser sur le dos comme ça ou la poser sur le bouchon. Voilà. Oh punaise, il va me falloir bac plus 4 pour monter ça, moi. Et ensuite, on a donc Joie, si je me trompe pas, avec les boules qui vont donc avec les boules vertes. Et puis le petit. Oh là là, putain, c'est un truc de fou. Donc en gros, voilà tout ce que ça donne. Je vous mets tout ça, vous les verrez que du dessus, mais voilà tout ce qu'il y avait dedans. C'est un truc de malade. Et ce n'est pas fini parce qu'il y en a encore dans le carton. Je rechange de plan, je vous retrouve juste après. Bon, me voilà revenu. On continue parce qu'en fait, dans le carton, il en reste encore. Donc, hop, c'est du tout mou. Quelques nouveaux dans la collection. Donc je pense que ce sont des Tsum Tsum à nouveau, je pense. Oh. Mais t'es folle. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. Oh. Donc il y a Pampan. Il y a. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu qu'il est beau. Oh mon Dieu qu'il est beau. C'est Winnie l'ourson en Père Noël. Mais il est juste. Mais il est magnifique. Oh là 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 là. Ah! Il y a Bourriquet. Il y a Bourriquet. Oh, il y a Maximus. Je sais plus si je l'avais Maxime, sans Tsum Tsum, je sais plus. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Et regardez, regardez, c'est Bourriquet en reine. Non mais vous savez que les Tsum Tsum Bourriquet, j'en ai tellement peu. Oh, il est trop beau. Oh. Il y a Jeannette qui va venir voir, je le sens. T'es pas prêt en fait. Il y en a trop sur le bureau. Et du coup, il est parti. Il viendra voir après. Hop, ensuite on a encore. Oh bah, il y a encore du Tsum Tsum. Un personnage que vous aimez beaucoup. Moi, Janek, Juliette. Ah, c'est Bourrique qui sent la pomme. Alors, je l'ai, mais c'est le mien. Et du coup, je vais enfin pouvoir le donner à ma fille. Parce que à chaque fois, elle veut me le prendre. Je lui dis non, c'est mon Bourriquet. Oui, mais moi, j'en veux un. Merci. Il est génial. Merci. C'est les Ufufi. Hein, les Ufufi, c'est hyper connu. C'est la nouvelle mode de chez Disney. Et c'est un truc de malade. Et il reste un truc au fond. Il y a marqué pour compléter une de tes collections. Bam, je tape dans le caméscope. Pour compléter une de mes collections. Je crois que j'ai une vague idée, je crois. Ouais. La couleur me pas. Oh punaise. Alors en fait, je pense, voilà, c'est ça, à la boîte de rangement de Tsum Tsum, ce squishy là, ce qu'on achetait et tout. Sauf qu'il n'y a pas que la boîte est pleine. Mon Dieu. Parce que la boîte, je l'ai déjà. Et j'ai un certain nombre dedans, je ne sais même plus lesquels j'ai et tout ça. Et en fait, elle m'a offert la boîte avec ce qu'elle avait dedans. Donc, waouh. Alors, dedans, il y en a que je connais déjà, mais pas tous. Je crois que j'ai dû dire waouh, je sais pas combien de fois, mais je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a trop. On y passerait des heures et des heures. Mais, oh, il y a petite perle. Il y a Bélé, donc il y a la collection de Dory. Bambi, ça me dit quelque chose. Oh, il y a. Ah ouais, non, mais il y a. Oh, ouais, non, mais. Eh, ceux-là, je les connais pas, ils sont pas tout. Je vais vous montrer par série. Donc, déjà, là, il y a une partie du monde de Dory. Donc, il y a Destinée, Bélé, Perle et Hank. Ensuite, il y a une partie de. Si je dis pas de bêtises, c'est Zootopia, je crois. Mais. Je les ai pas. Je l'ai pas vu le dessin animé, mais. Je reconnais Judy, la petite lapine, parce qu'on a une histoire de Juliette où elle est dedans. Il y a Réponse, il y a Hans de la Reine des Neiges, il y a Baymax en tout doux, il y a Tic Tac, il y a Colère, il y a... Bref, un truc de malade. Voilà, il y en a tellement. Waouh. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Ça, je pense que c'est
le minimum que je puisse faire, même je trouve que ça suffit même pas. C'est le plus beau, enfin pas le plus beau, un des plus beaux, enfin c'est ça, enfin à chaque fois que je reçois un colis de votre part, c'est toujours quelque chose qui me touche énormément, et de voir à quel point vous me connaissez, ça me, c'est un truc de malade, enfin voilà, t'as compris, enfin tu nous as très bien cerné, et y a tout ce qu'on aime dedans, et c'est trop mignon. Et je suis en train de me dire, Winnie, c'est pas un micro Tsum Tsum? Je suis en train de chercher un Tsum Tsum classique, hein. Non, c'est la même taille, c'est, oh, je sais pas, ou alors c'est parce qu'ils sont... Il y en a qui viennent du Japon peut-être et d'autres non, je sais pas, je ne saurais même pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais voilà, j'ai pas de mots, j'ai un gros coup de cœur sur le Dumbo, il est magnifique celui-ci, il est vraiment très très beau, c'est vraiment le colis, ça et puis la petite attention avec la bougie, enfin voilà, c'est génial, enfin merci. Merci beaucoup. Je vais m'éclater à ranger parce que vous n'avez pas vu le bordel à côté. Mais voilà, merci beaucoup à toi. Je suis très très touchée d'avoir pensé à nous pour nous envoyer des petites choses. Des petites choses. Hein. Ce que tu avais en double. Du coup, je vais m'atteler à ranger et je donnerai les petites Tsum Tsum comme ça. Ceux-là, je vais les garder, je vais trier. Et je donnerai tous ceux que j'ai en double à Juliette et je lui donnerai une des mallettes parce que j'en ai une moi. Donc je vais remplir la mienne avec ce que je n'ai pas en double. Et tous ceux que j'ai en double, je les donnerai à Juliette. Au niveau des Tsum Tsum, je vais lui filer une grosse partie. Je vais juste garder les plus beaux. Genre ça. Genre celui-là. Mais je pense qu'elle va être ouf avec les Tsum Tsum de Vaiana, quoi. Elle va être méga heureuse. Enfin voilà quoi. Merci. Merci, 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 merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, cette vidéo a été très longue, je pense, mais il fallait, hein, c'est vraiment génial, c'est vraiment très gentil. Je vais prendre le temps maintenant de tout regarder à nouveau en détail parce que j'ai tout sorti d'un coup et il y a plein de choses, ça sent bon de partout, ça sent ça sent le pain d'épices, non ? Ah, j'arrive pas à trouver l'odeur, peut-être que Jeannette sera plus fort que moi, mais... Je sais pas, ça sent bon, ça sent la bouffe. Ça sent la bouffe. Je ne sais pas quelle bouffe, mais ça sent la bouffe. Donc bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci à toi, Anna. Je te revaudrai ça. Je te renverrai l'appareil tôt ou tard. Donc voilà, et puis c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.